Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la carrière avec le joueur pro. Donc, on est à Sochaux, on a 67 de général, toujours à 19 ans. Dans le dernier épisode, on avait joué les matchs de préparation, on avait fait 2 sur 3 et on avait fait un match officiel, on avait gagné 1-0. Donc, c'est pas mal, on avait gagné contre. C'était Châteauroux, il me semble. Oui, Châteauroux, 1-0. On est donc 6e. Bon, après, de toute façon, on a joué qu'un match, ça veut rien dire, ça. Pendant les matchs de préparation, on avait été vraiment excellent. On avait fait le premier match beaucoup de passes décisives, 3 ou 4. Et le deuxième match, on avait mis 3 ou 4 buts cette fois-ci. Donc, on va essayer de faire pareil en match officiel contre Clermont Foot. C'est parti! Clermont Foot contre Sochaux. On est les premiers à attaquer à la 12e minute. Guerbert qui nous passe la balle, la frappe sur le poteau et ça revient sur notre tête. Donc on ouvre le score, on marque notre premier but en Ligue 2, 1 à 0 à la 14e minute. 77e minute, on reçoit la balle mais on frappe sur le gardien. Déjà à la fin de match, on demande le remplacement. Fin du deuxième match de saison. Je vais voir si on a gagné parce que j'ai demandé le remplacement. Ouh, victoire 3-0. Quand je suis sorti, ils ont mis 2 buts. Donc ça veut tout dire. Je suis une grosse merde. Non, mais plus sérieusement, c'est parfait. On marque notre premier but en Ligue 2. On espère que ce sera le début d'une longue série. Et voilà, on a fait un match. Oh, on est dans l'équipe de la semaine. Ça nous fait gagner pas mal d'exploits. Parfait ça. L'équipe de la semaine. Ouais. On est dedans. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Oui, oh là là. Il y a plein de joueurs de Sochaux. Il y a Mignot, Fossurier, Béranguer. Béranguer, je sais pas comment ça se dit. Et Thomas Gerber. Et Carja, je ne connais pas. Donc les prononciations, c'est vraiment pas ça avec moi. Je ne connais pas du tout les prononciations des joueurs. On n'est pas sélectionné pour le prochain match. Je pense que c'est parce qu'on est fatigué, vu qu'on était encore assez fatigué à la fin du dernier match. Faut le gagner match de Coupe de la Ligue contre Nancy. Faut pas se faire éliminer maintenant, ce serait franchement bête. Oula, ça commence mal. 2-2, et on gagne en prolongation. Non, au pénalty, pardon. Parfait. Donc il y avait 1-1, et dans les prolongations. On s'est pris d'abord le premier but et on a égalisé à quelques minutes de la fin. Non. Enfin, je sais pas, bref. En tout cas, c'est parfait, on se qualifie pour le prochain tour. Grâce à des buts de Lopi et de Hakuna. Hakuna, je ne sais pas non plus. Hein. Donc ça, c'est comme d'habitude. Prochain match contre le SCO d'Angers. Je ne sais pas non plus si ça se prononce comme ça, mais bon. On va faire comme, hein. On s'en fout. On est retenu dans l'équipe. C'est parfait, on va aller faire ce match à domicile en plus. Ça va être pouvoir mettre notre premier but à domicile. Ouais, on va le faire jouer en blanc, allez. Donc je suis en pleine forme, et juste Lopi et Mignot qui sont un petit peu fatigués peut-être. Sochaux contre Angers, c'est parti. Sochaux contre Angers, on est les premiers à attaquer avec ce beau travail sur l'aile. On se retourne, on passe deux défenseurs. Et là, le centre parfait pour Thomas Gerber. Le centre en profondeur qui lui permet d'ouvrir le score à la 12e minute. On mène 1 à 0 et on fait notre deuxième passe décisive de la saison. Dix-huitième minute, Tardieu qui se retourne. Au passage, on se fait bousculer. Il passe la balle à Abraham qui tire sur le poteau. 31e minute, on reçoit une balle dans la profondeur. La petite feinte de frappe. Et le tir sur le poteau et Gerber qui rate le cadre. Juste avant la mi-temps, on fait un appel. On réussit à avancer plus vite que notre défenseur. Et là, le caviar pour le but du 2 à 0 à la 44e minute, inscrit par Béranguer. Une nouvelle fois, on demande le changement. Fin du match, victoire 2 buts à 0. Donc on a signé un très bon match, deux passes décisives. C'était pas mal, match à domicile, on prend les 3 points. Notre général, note de match, pardon, de 7,4. Après, s'il n'y a pas de stats très intéressantes. L'homme du match est Florian Béranguer, je pense. On va aller voir ça.
Donc pour son but. Et c'est tout. Chez eux, ils ont pas eu des notes géniales. Ils ont pas vraiment été dangereux. Mais on voit une nouvelle fois que à Sochaux, il y a un très beau jeu de passe. Un petit peu comme au Barça. Bon, on est en Ligue 2, mais franchement, ils font un très beau jeu de passe. Hein. Ça se voit direct. C'est vraiment joli à voir, quoi. Donc, à la mi-août, en championnat, en à peine 2 matchs, on a déjà fait un but et 3 passes décisives. Bon, pourcentage de buts de tirs cadrés, on n'est pas bon. Notre moyenne, on est un tout petit peu en dessous, peut-être. On va avoir les nouvelles du joueur qui s'est blessé 3 mois. Oula, coup dur ça. Blessure de 3 mois. On va aller s'avancer pour notre prochain match. Et on est déjà à 68 de général. On cesse pas d'augmenter. Donc on jouera contre Créteil. Donc on joue à l'extérieur une nouvelle fois. Pour l'instant, je crois qu'on a fait 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur. Créteil contre Sochaux. C'est parti. Sochaux contre Créteil, ça commence dès la 8e minute avec cette passe parfaite de Thomas Gerber et notre joueur qui peut ouvrir le score grâce à une grosse reprise de volée. 12e minute de jeu et une nouvelle occasion pour nous grâce à une belle passe de Lopi cette fois-ci. La frappe puissante de notre joueur qui termine dans le petit filet, 2 buts à 0, on inscrit un doublé. Cinquantième minute, cette fois-ci, c'est nous qui faisons une belle passe à Lopi qui se retourne et frappe. Bel arrêt du gardien qui repousse en corner. Quatre minutes plus tard, c'est Salah qui va nous faire une passe en profondeur lobée. La reprise pour le coup du chapeau, 3 buts à 0 à la 55e minute. Soixante-cinquième minute, on a l'occasion d'aller au but, mais le défenseur de Créteil qui nous tacle, notre joueur reste blessé à terre, l'entraîneur qui va donc décider de nous faire sortir. Nous ne sommes plus sur le terrain, mais nos coéquipiers qui continuent d'attaquer, Berangui qui centre pour le but du 4 à 0 inscrit par Karja, une très belle tête qui rentre avec l'aide du poteau. 81e minute, Berenguer qui la passe à Karja qui va aller faire un petit festival. Les deux défenseurs de Créteil qui se foncent dedans. Le petit dribble et le centre. La reprise qui est bien arrêtée par le gardien. Donc fin du troisième match, très bonne note, on a mis un triplé, 9,5 de note. Donc victoire 4 à 0. Malheureusement, on a été blessé, je ne sais pas encore si c'est grave ou pas, j'espère que non. Parce que là, on fait plutôt un très bon début de saison. On a déjà rempli nos objectifs presque, c'est vraiment un truc de ouf. Sinon, ouais, voilà les petits résultats. Je crois qu'on est premier de Ligue 2. Je vais aller voir ça tout de suite. Donc voilà, 4 buts, 3 passes décisives. Notre moyenne, on est au-dessus. Du coup, on est largement au-dessus des tirs cadrés qui nous demandaient. Alors, 5 semaines. Ah, c'est chiant ça. On a été blessé 5 semaines. Ah, ça va franchement être long. Ouais. Donc, on est premier sinon. 4 matchs, 12 points. Oula! Il y a des bonnes équipes aussi. Nîmes et Valenciennes qui ont aussi gagné tous leurs matchs. Ouais. Donc, on va déjà s'avancer jusqu'au prochain match qu'on ne jouera pas du coup, vu qu'on est blessé. Donc, on va simuler le match. Je vais encore avancer jusqu'à la fin du mercato pour voir les petits transferts qu'il y a eu. Et ensuite, je m'avancerai directement. Jusqu'à ce qu'on soit revenu de blessure. Ouais, donc on va passer. Victoire 1-0, parfait. Grâce à un but à la 35e minute. Et on a à nouveau un blessé à notre défenseur central, normalement. Au moins, je suis pas le seul blessé du club. 2 jours. Ouais, bon, lui, il a de la chance, c'est que 2 jours. Sinon. Donc, on est toujours premier. Je pense qu'on doit être une des seules équipes premières. Alors, on va voir ça.
Ouais, donc les deux autres équipes dont on parlait avant ont perdu. Valenciennes et Nîmes ont perdu. C'est parfait, on prend la tête de Ligue 2 tout seul. Je vais juste avancer jusqu'à la fin du mercato. C'est parti. C'est bon, on est à la fin du mercato. Il reste une heure. Alors, Arles-Avignon qui a fait venir Meyer. Chamois FC qui a fait venir Machacon. Je ne connais pas. C'est Dijon, je crois, qui a fait venir un joueur pour 900 000 euros à peu près. Lestac qui a fait venir deux joueurs gratuitement et qui a vendu un joueur. Nous, donc on a fait venir moi. Wow, génial. On a fait venir Hakuna, lui, c'est celui qui s'était blessé pendant longtemps, je crois. Salah, qui était franchement pas mal. Salah, je crois que lui, il vient de Auxerre, mais je ne suis pas sûr. Mais je crois. Et on a vendu Butin, que je ne connais pas. Sinon, les autres transferts, on s'en fout un peu. Ce sera souvent des joueurs qu'on connaît pas. Je pense pas voir un joueur de Ligue 1 arriver. Camara. Non. Donc, il jouait pas à Auxerre, je crois. En tout cas, je pense qu'il jouait en Ligue 2. Bon, bah voilà. Donc, c'est la fin du mercato. On avance. Et on est toujours blessé, malheureusement. Date limite des transferts expirée. Joueur du mois. On va voir le joueur du mois. Joueur du SCO d'Angers. Kojiba. Kojia. Je ne sais pas qui c'est. On a vendu Poupelin. Oui, donc ça c'était avant que je commence la saison. Ça en vrai, ils ont vendu du coup. Ça l'a fait aussi. Joueur appelé en sélection. Il n'y en a que un en Côte d'Ivoire, Konaté. Bon, je vais m'avancer jusqu'à ce qu'on soit de retour de blessure. C'est bon, je me suis avancé jusqu'au moment où il fallait. Ah, donc on a mal commencé. Donc on était resté sur la victoire 1-0 contre Chamois. Celle-là, on l'avait vu en simulation. Et on a perdu contre Valenciennes, qui est donc repassé premier à égalité, je pense. Ensuite, on a gagné contre le Havre. Je vais voir l'équipe de France. Ah, on voit pas. Dommage. On a gagné donc contre le Havre. Un nul contre Stade Lavallois. Donc, qui est plutôt une bonne équipe, Stade Lavallois, je crois. Et on va jouer contre Arles-Avignon. J'ai du mal avec les équipes de Ligue 2. On est toujours premier à égalité avec Valenciennes après 8 matchs. Et juste un point derrière nous, il y a Tours. Après, c'est un peu plus loin. Je pense que je ne serai pas encore remis de ma blessure. On va voir combien de temps il me reste. Je crois qu'on peut le voir là. Un jour. Ok. Donc, on simule encore ce match et on pourra jouer le prochain match. On va espérer gagner pour rester premier. 4-0. Parfait. On marque dès la deuxième minute, je crois. Donc, but de Toko Ekambi, Lopi, Ilaiman Haritra. Ouais, et de Mateus Viviane. Belle victoire 4 à 0 donc contre Arles-Avignon. On va espérer que Valenciennes ait perdu. Et oui, donc on prend la tête de la Ligue 2 une nouvelle fois. Mais faut essayer de le garder. La tête. Donc, ouais. Donc ils m'ont mis à jour mes objectifs. Salah est de retour. Ouais, il était suspendu. On est prêt pour jouer le prochain match. Je ne sais pas encore contre qui ce sera. Alors on va s'avancer. Contre Brest. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. Ça, je le ferai. Je ne sais pas encore quand la prochaine vidéo sortira. Nos objectifs du mois seront notre minimum de 8,8. 2 buts. But marqué 30%. But partir donc. Donc dans la prochaine vidéo, si elle fait 3 matchs, ce qui n'est pas encore sûr, on jouera normalement. Brest, Orléans et Dijon. Ouais. Donc, c'est à peu près tout. On est premier toujours. C'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, etc. Si vous avez des conseils à me donner en commentaire, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Salut!